Bonsoir à tous. Alors pourquoi le pervers narcissique refuse parfois ou au moins rechigne à nous donner, à nous communiquer ses coordonnées, du moins certaines de ses coordonnées, par exemple téléphoniques ou par mail? Eh bien, tout simplement, il veut peut-être montrer que c'est lui qui commande, que c'est elle qui commande, et que le pouvoir lui appartient, et le fait que nous demandions quelque chose ne correspond pas à sa psychologie. La demande doit venir de lui et non pas de nous. Et d'ailleurs, je me souviens d'un pervers narcissique qui voulait que tout vienne de lui, que les demandes viennent de lui, et moi je n'avais qu'à accepter sa demande. Mais si la demande venait de moi, elle était mal acceptée et même refusée, pour toutes les choses qu'on peut imaginer. Je n'avais droit de ne choisir à aucun moment, ou alors c'était des pseudo-choix. Voilà, je ne sais pas si vous serez séduit par cette hypothèse, mais je vous laisse y réfléchir. Merci, au revoir.